Salut tout le monde, c'est Stantien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 3 sur la map village au MSR chargeur grande capacité. J'ai la classe de Quad Feed 1, donc tour de passe-passe, bonne gâchette, tireur d'élite, MSR chargeur grande capacité avec impact, avec spécialiste, conditions extrêmes, tracker et bouclier anti-explosion. Donc je joue en guerre de territoire en élimination confirmée contre une team d'espagnols PXXX. Donc vous allez bien voir le gameplay que je vais faire. Je crois qu'il y avait aucun... Non, il ne devait pas y avoir de mort sniper en face. Vous allez voir quand même que je vais réussir à faire une bonne partie tout seul contre une team. Donc voilà, je vais vous parler d'un petit truc. En fait c'était vraiment mon dernier live qui était je veux la Quad Feed 2. C'était qu'il y avait des gens qui disaient que le score n'était pas assez bien. D'ailleurs, vous allez voir, j'ai fait de la Quad Feed. Parce que j'ai fait la double, j'ai fait lead marker, j'ai fait quatrième, je l'ai tué. Bon, je disais que ce qu'il y en avait qui était pas. Qui disaient que le score était pas assez bon. Bah, je suis désolé déjà pour le score, parce que c'était en live. Je préfère personnellement. Enfin, moi, c'est mes préférences, mais après, je vais vous demander à vous. Je vous demande si vous préférez avoir des lives avec des très bons gameplays, d'ailleurs fail triple back, des lives avec des très bons gameplays mais où je parle très peu. Si vous préférez avoir des lives avec des gameplays plus ou moins bons, ça dépend, mais où je parle beaucoup et je dis des choses intéressantes bien sûr, parce que je peux ne pas parler et dire bonjour, enfin voilà quoi. Ou si vous préférez des commentaires en non live avec des gameplays comme celui-là qui sont très très bons. Et par contre il y aura plus de face commentary si je fais du différé quoi. Là d'ailleurs vous pouvez voir, j'ai fait beaucoup de clips dans cette partie. J'ai déjà fait une de quad feed, j'ai une triple une balle, la quad feed encore. J'ai mes atouts spécialisés, je crois que je dois être à 12-13, enfin après après ces deux-là je suis à 15. Enfin, je crois que je suis à 15, je sais pas vraiment. Donc je disais, oui, il y aura plus de face commentary si je fais que du non-live. Après, c'est à vous de choisir ce que vous préférez. Pour les 700 abonnés aussi, donc je vais faire sûrement la vidéo soit tout seul, soit avec Wiz. Donc si je la fais tout seul, il y aura 3 places. Et si je la fais avec des gens, avec Wiz plutôt, il y aura 2 places. Donc... En fait, vous mettez un petit commentaire avec marqué je veux venir pour le zombie 700 abonnés. Oui, ce sera un zombie sur Black Ops. Par contre, il faut Skype et un micro d'assez bonne qualité où il n'y a pas d'écho. C'est parce que faut comme ça soit agréable à vous entendre si vous parlez. Enfin, si vous parlez, quand vous parlez plutôt. Et je vais bien voir s'il y a deux places ou 3. Là, je viens d'obtenir Ma et Moab. Enfin, Moab. Moabé, le monsieur qui parle. Là d'ailleurs j'ai fait un truc un peu con, j'ai voulu enchaîner mais je suis mort. Et plus 9 kills, voilà. Alors je disais il y aura 2 ou 3 places. Vous me demandez ceux qui m'ont déjà en ami, c'est bon. Ceux qui m'ont pas en ami sur PSN, enfin de toute façon je vais vous mettre je veux venir pour le zombie ou quelque chose comme ça. Vous me dites. J'essaierai de faire par un tirage parce que je pense pas qu'il y aura non plus il y aura même 10 personnes peut-être maxi. Donc je verrai, enfin je prendrai quand même au hasard, je vais pas prendre toi parce que toi t'es copain, voilà. Et faut Black Ops, donc un bon micro. Et ouais voilà quoi. Là d'ailleurs vous pouvez voir je jouais pas parce que j'avais mis en message Skype gameplay pour YouTube. Hop, un petit coup de couteau pour dire que c'est fini. Et oui bah je vous commande. D'ailleurs demain c'est la rentrée parce que je le commente là on est dimanche, je vais poster en fait dimanche. Je pense que... Enfin c'est les vacances pour certains, il reste ça une semaine pour d'autres et c'est fini pour moi. Enfin pour d'autres personnes aussi. Enfin je préfère quand même être en vacances en premier, après je sais pas c'est quoi, c'est pour vous. Je suis un acteur qui vont dire moi que je suis encore en vacances pendant 2 semaines. Foiré. Voilà. Donc pour les gameplays que je vous ai demandé tout à l'heure, vous me dites ça. Aussi à la fin de vidéo, je vais mettre un petit truc, je pense qu'il y aura 2 vidéos.
il y aura la vidéo donc de Will qui a fait qui a édité Nerve, donc c'est Nerve, et il y aura la vidéo d'Antoine, c'est un pote à moi IRL qui fait des vidéos aussi commentées, et je vous mettrai sa sa vidéo dans la description, et j'espère que vous passerez et vous abonnerez à sa chaîne, à leur chaîne plus. Et je crois que là je vais repartir sur une série. D'ailleurs, s'il y a des gens qui comprennent ce qu'on dit les s'il y a des gens qui comprennent ce que disent les Espagnols, ils pourraient me dire. 49 à 10, un très bon score. Et là vous pouvez voir, je suis à ce spot en fait. Ce spot est vraiment très bon parce que je me mets là, j'ai les spawns de gauche. Et ici je me mets là, j'ai les spawns de droite. Et c'est un très bon spot pour contrôler justement les spawns et faire des longues séries. Là je vais plus avoir spécifié, je crois que je l'avais eu. Je trouve 52 à 11, c'est quand même un très bon score, je suis tout seul contre une team en guerre de territoire. Je crois qu'ils étaient 8. C'est un peu un contre 8 pendant tout le match, mais parce que mes alliés n'étaient pas très optimal, on va dire. D'ailleurs un petit message de Wiz. Et voilà, vous. Si d'ailleurs vous aimez pas les. Enfin, vous voulez des lives, mais. Comment, si vous voulez des lives, je vais essayer d'en faire plusieurs peut-être pour avoir un bon score. Parce que le dernier j'en ai fait deux. J'avais pas pris le premier parce que je trouve que j'avais mal commenté, alors j'ai pris le deuxième parce que j'avais mieux commenté. Et voilà, donc là je crois que ça va être bientôt la fin de la partie. Si vous voulez une vidéo sur un Call of ou un tel mode de jeu, vous me dites. Sûrement là il y aura une vidéo en défense en équipe. Et j'essaye de jouer un peu avec, et ce sera pas au snipe je pense, enfin de jouer avec. De jouer dans ce mode. Je sais pas si ça vous plaira, toujours défense en équipe, c'est un peu le même concept du match à mort, mais un peu modifié. Oui, là on approche de la fin de la partie. Je crois que je vais faire un plus de 50 frags. Quand même assez énorme au sniper, comme je le redis encore, mais contre une team tout ça. Et là j'ai pas pris la médaille puisque je voulais pas que la partie finisse, mais elle a quand même prise et voilà, finisse en score de 56-17 contre une team d'Espagnols avec cadavre. Et voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce commentaire. Et on se dit à plus, n'oubliez pas le like et de partager sur Facebook et de mettre en favori. À plus. Ecco aver fatto una fissa di mio passo. Ah!